Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de VIP. Aujourd'hui, j'ai la grande joie, le grand plaisir, le grand honneur de me retrouver avec un yvelinois. Il a passé son enfance à Saint-Cyr l'école, tout près d'ici. Il est maintenant célèbre, il s'appelle coach Joe et son, son nom, son vrai nom c'est Joël Bouraïma. Joël Bouraïma, bonjour. Bonjour et merci de me recevoir. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation. Vous êtes Normal. de retour sur vos terres natales. Est ah, ça. On n'est pas loin de Saint-Cyr l'école. Voilà. Et euh, vous êtes ici parce que vous avez une actualité assez brûlante et notamment la sortie d'un livre ouais. aux éditions Talent Éditions qui s'appelle Coach Joe, toujours tout donné. Alors ça. Euh, voilà, tout un programme. Alors dans ce livre, en fait, il est structuré d'une façon particulière, c'est-à-dire que vous m'arrêtez si je me trompe, mm -hmm. euh, vous racontez mettons un chapitre de votre vie, après c'est ponctué par un témoignage d'une Personne qui a été importante dans votre entourage, et après c'est reponctué par un conseil très clair, très précis. Ouais. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Voilà. Ça. Alors pour revenir sur votre carrière professionnelle, vous avez démarré, euh, après vous êtes bien accroché comme prof de sport. Mmh. Et apparemment, ça n'a pas été euh, la, la, le plaisir que vous souhaitez imaginer C'était pas, ouais, c'était pas le métier de rêve que je m'imaginais en fait. Voilà. Et je suis même pas allé en fait jusqu'au professorat. J'ai pas passé mon concours. C'est pendant mon cursus universitaire, mm -hmm. au niveau de ma deuxième année de fac, STAPS, Staps ah, ouais. exactement que j'ai fait à Orsay, mmh. euh, que j'ai eu un stage. Euh, durant lequel je me suis retrouvé face à des élèves. Et c'est durant ce stage que je me suis aperçu mmh. que le métier dont je rêvais euh, depuis des années n'était pas forcément celui bah, que je me voyais faire sur, sur le, le, le reste de ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai bifurqué vers un, un diplôme différent et euh, qui m'a amené vers le coaching par la suite. Juste par curiosité, euh, qu'est-ce qu'ils avaient, ces élèves Ils pouvaient... bah, le, le, Je retrouvais pas en eux l'envie le, 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 de faire du sport que moi j'avais à leur âge et, euh, et moi euh, ce, ce, ce métier de, de professeur de PS mm -hmm. euh, j'en rêvais parce que quand j'étais euh, en, en, enfant euh, je les attendais euh, comme un fou mes deux heures de sport et euh, j'étais content de voir ce prof qui euh, bah, qui essayait de nous motiver et qui essayait de nous pousser et euh, dans ma tête moi je voulais être comme ce prof là avec des élèves euh, comme moi, réceptifs qui veulent pratiquer et qui sont, euh, bah, qui sont demandeurs. Après, c'est aussi, pardon, je coupe, aux pardon. profs de donner, euh, comme disait notre ami Johnny, euh, l'envie d'avoir envie. Aussi, ouais, ouais c'est clair, mais euh, on s'aperçoit, enfin, je me suis aperçu, moi, qu'aujourd'hui, même avec tous les moyens euh, qu'on avait et qu'on nous donnait, mm -hmm. euh, il était très difficile, en fait, de faire, de, de, de faire prendre conscience aux élèves ce que le sport pouvait leur apporter. Et ça vient aussi euh, bah, de plus haut. Puisqu'on on, on est dans une, dans, une, dans une société où on dévalorise un peu euh, l'activité physique et sportive. Bon, là, on est en train d'en. Vous trouvez en... ben, Là, ça revient. Ouais. ça revient. Mais là, moi, je vous parle de ça il y a 20 ans. OK. Il y a 20 okay. ans, euh, bah, le sport est devenu une option au bac. Euh, on n'a que deux heures de sport. C'est vrai, vous avez enfin, raison. même pas du sport. C'était de l'activité physique et sportive mmh. où euh, on ne se poussait pas vraiment. On apprenait à connaître son corps. Et, euh, et tout ça, bah, les élèves. Euh, ils N'étaient pas très réceptifs, d'accord. Euh, je me voyais pas moi faire euh, 20-30 ans de carrière là-dedans, mm -hmm. euh, y aller la boule au ventre, sûrement pas, c'était pas mon objectif. Donc, euh, j'ai bifurqué vers, euh, vers un autre cursus qui m'a emmené vers euh, le coaching sportif, d'accord. Alors, voilà, on, on a le début de votre vie. Euh, au début, donc vous avez cette envie d'être quand même prof de sport qui ouais, est ouais. chevillée en vous, et euh, au moment de l'orientation euh, au collège, on vous dit. Euh, bah, pff, ça va être chaud pour toi ça va être dur ouais. trouve, autre, trouve autre chose en sortant de troisième parce que bah, parce que peut-être aussi je montrais pas assez euh, de capacité et je, 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 je n'évoluais pas au niveau auquel j'étais euh, supposé évoluer euh, j'étais un élève on va dire euh, moyen mais j'avais toujours cette euh, cette euh, annotation dans mes bulletins qui était euh, euh, à des capacités et toujours peut mieux faire parce que, en fait, comme je m'embêtais et que j'appréciais pas trop l'école, je faisais juste le strict minimum, minimum. pour avoir la moyenne. Mmh. Et, euh, et voilà. Et, sauf que la moyenne, ça ne suffisait pas en fin de troisième pour m'envoyer en seconde générale. Et, euh, et on m'a orienté là vers un CAP BEP vente. Donc bien loin de, du cursus que j'espérais euh, voilà. faire. Voilà. Ouais. Bon, que vous avez quand même suivi. Pas le je, choix. Pas le choix. Sorti troisième, et, 14, 15 ans. Et on à un là. moment, vous dites est-ce qu'il n'y aurait pas la. Une infime chance pour que je réintègre le cursus général. Vous m'arrêtez si je me ouais, trompe. Si ça, ouais, ouais. Et vous allez euh, interroger vos profs et ils vous disent si, éventuellement, il y a une petite chance, mais, mais bon, euh, vas-y, ouais. tu n'y arriveras jamais. Ouais. Et vous, c'est rentré dans votre tête, ça n'en est pas sorti. Bah, vous vous êtes dit cette infime chance. Avait, on, va, on va aller la saisir. Ouais. Voilà. Ouais, ouais, donc en sortie de CAP-BEP que j'ai euh, très facilement, sans, j'avais certaines facilités, donc j'ai pas forcément travaillé sur ces deux années, mais je m'en sors mm. avec euh, des notes plutôt. Plutôt, honorable, plutôt hein. honorable, qui me permettent de réintégrer un cursus normal, justement vers une première d'adaptation qui me permettra de passer ensuite un bac et ensuite d'aller à la fac. Et alors, c'est pas la facilité que vous choisissez parce qu'en fait, le lycée de près de chez vous vous refuse ouais. et le lycée qui vous accueille, il est à Rambouillet. Il est à Rambouillet, ouais. Le bout du monde, pour vous mettez ici, un ouais. temps fou pour y aller, ouais. bah, même de Saint-Cyr, enfin je sais pas, vous mettiez longtemps pour y ouais, aller. Bah, J'avais au moins ouais, 45 minutes. Oui, c'est long. Trois, et puis ouais, ouais. Faut, faut, voilà, et encore une fois, la motivation. Et, euh, et puis voilà, après, tout s'est enchaîné, on, presque de façon fluide, on peut dire. Ouais, jusqu'au bac, puisqu'en fait, ouais. après le bac, j'ai encore euh, des bâtons dans les roues, puisqu'on m'explique que le bac que j'ai fait, qui était un bac. Euh, à dominante commerciale euh, ne serait pas suffisant pour intégrer la fac puisque j'avais pas fait de, de matière scientifique. On vous l'a pas dit avant ça On me l'avait enfin, dit, mais on m'avait expliqué que pas de souci, tu pourras quand même récupérer une fac avec un bac. Il faut juste un bac, c'était ça qu'on m'avait dit. Mm. Il te faut un bac euh, général pour pouvoir intégrer la fac. Donc moi, je suis allé vers un bac général, celui qui, 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 qui m'était accessible. Et en fin de bac, maintenant, on m'explique que euh, du fait que j'ai fait un bac commercial, euh, ça, ça va, va être compliqué aller. parce qu'il fallait faire un bac S et avoir des bases en physique, euh, en biologie, etc. Parce que j'allais être amené à faire de la physio, de l'anatomie, etc. Mm, mm, mm. Et sauf que là, j'ai 18, 19 ans. Donc, je suis en âge de dire euh, non, je veux arrêter l'école. Mm -hmm. euh, C'est un peu un conflit avec mes parents, mm -hmm. mais j'arrête l'école et je me retrouve donc à travailler euh, petit boulot à droite à gauche sur un an avant de prendre moi-même mon dossier et d'aller à la fac et dire voilà, je veux m'inscrire, je veux repartir euh, dans un cursus euh, qui me plaît, que je veux faire. Et, euh... Vous avez fait comme pour votre lycée à Rambouillet Exactement. D'aller ouais. vous vendre tout seul et vous, ouais. vous faire accepter euh, là où vous vouliez. Suis donc, allé. vous avez été pris. J'ai voilà. été pris. Et donc là, bah, je fais mon, mes trois ans, donc Dug, universitaire et, euh, et une licence. licence ouais. et euh, Et que j'ai euh, du premier coup, malgré euh, les, les, les obstacles. dires et tout ce ouais, qui ouais, était ouais, dit oui, avant. Tout... Quand on veut, comme quoi... Euh, enfin, bah, vous peut. sentiez que c'était pour vous. Ouais, et vous ce que j'apprenais, c'était quelque voie. chose que j'appréciais, que j'aimais, que j'avais envie d'apprendre. Oui, donc, difficile vous, ou pas, ouais. euh, l'implication n'est pas la même. Bien et sûr, hein. forcément, le résultat en sortie de ces trois ans n'est pas euh, le même que... Euh, en sortie de troisième, C'est clair. Après, alors on va pas raconter toute votre vie, ouais. mais juste bon, vous avez donc euh, euh, vous êtes parti aussi en Australie faire des petits boulots parce que vous vous êtes dit si je veux voir grand, il faut que je parle anglais Exactement. couramment. Vous ouais. l'avez fait. Et après s'enchaîne un truc incroyable, c'est que vous travaillez dans une salle de sport. Euh, je suis en train de raconter votre livre. Oh, bah, non, ça va. <laughs> va. C'était quoi cette salle de sport C'est une salle de sport euh, parisienne Opéra, quoi, plutôt, plutôt huppée qui s'appelle L'Usine. Ah, l'Usine, pardon. Y a le monde de, en fait, de la télé, de la finance, de la mode qui s'y croise. D'accord. Et euh, là-bas, je me fais une clientèle plutôt bah, respectable, plutôt cool, euh, qui me permet d'évoluer. Et à ce moment-là, moi, je pense que bah, ça y est, c'est. Je suis arrivé ouais, Moi, ça mmh, me va, une mm. des plus belles salles parisiennes. Je travaille dans le monde du sport. Je suis en contact avec des gens. Et moi, la, la relation humaine, c'est un peu ce qui m'importe, puisque c'est la base de mon travail. Mmh. Donc euh, jusque là, euh, je croyais que bah, tout était bon et que j'allais filer sur mon rail. Et Sauf là que en 2009, euh, je rencontre Sy, que je prépare pour le film Intouchable. Mmh. Et ensuite, euh, Intouchable fait ce que ça a fait, un des films les plus euh, vus euh, en France et en dehors euh, de nos frontières, mm -hmm. ce qui fait que mon nom tourne dans le milieu du cinéma euh, français dans un premier temps, puisque je travaille ensuite avec Gad Elmaleh, Leila Bekti, euh, Marina Foyce, que je prépare pour des films euh, jusqu'en euh, 2012-2013 où là, j'ai un client américain qui me, qui me présente vous pardon, euh, sur la sur, salle, sur la salle, ouais, voilà, où, où. à l'usine qui me présente Kanye West, qui est un artiste, lui, américain, et qui ensuite me prend un peu pour voyager à travers le monde. Et à partir de là, bah, l'aventure internationale commence. Ouais. Voilà, et vous le suivez. Et, et, et de là, vous vous êtes dit, bah, j'ai bien fait de partir euh, aux, en Australie, parce que sinon, je n'aurais jamais eu le job. Ouais. Et il me fallait l'anglais pour, pour, voilà. pour saisir cette opportunité. Et après, hein. Kanye West, ben c'est la famille Kardashian, ouais. qui vous adopte il... comme coach et j'évolue là-bas là encore jusqu'aujourd'hui avec eux à Los Angeles, puisque après, après deux ans de voyage entre 2013 et 2015 avec Kanye West et la famille Kardashian, mm -hmm. bah, j'en je, viens à la conclusion qu'il est beaucoup plus simple pour moi de bouger là-bas avec toute ma famille, ouais. puisque eux à sont à Los Paris Angeles. et d'emménager ouais. euh, à Los Angeles. Et donc j'y suis depuis huit ans maintenant. D'accord, avec des allers-retours à Paris. Avec des allers-retours Il faut Paris. dire aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas, mmh. vous êtes aussi le coach sportif de la Starac pour la deuxième saison. Actuellement, ouais, voilà. sur la Star Academy deuxième saison. On est venu vous chercher ouais. et on vous a gardé pour la deuxième saison. Ça se passe bien. Ça se passe super bien. Est-ce qu'il y a des jeunes de cité qui, qui font partie des, des élèves mmh. Je ne pense pas. Non, Dans ce que je vois là, je pas creusé moi à leur mmh, demander, mmh. mais là, de ce que je vois, je pense pas. D'accord. Ok. Alors maintenant, ce livre, on va voir maintenant qu'on a livre, fait ouais. le tour de votre, votre carrière, quand même incroyable, faite de, de rencontres et de chances que vous avez su saisir. saisir, saisir. Ouais. Et euh, vous avez décidé d'écrire ce livre. Alors, si jeune, ouais. on, on écrit sa bio. Ouais. Euh, pourquoi Pour qui ben, Comme vous le dites, si jeune, enfin, je, je trouvais presque ça prétentieux, en fait. Et ce qui fait que, dans un sûre. premier temps, j'avais dit non. Ah, parce qu'on vous l'a proposé On me l'a proposé à la suite d'un reportage que j'avais fait sur TF1 en fait. J'ai des maisons d'édition qui m'ont contacté et j'avais 37-38 ans à l'époque et je ne voyais pas l'intérêt de faire un livre. Enfin, je pensais que bah, ça allait faire justement prétentieux, orgueilleux. Qu'est-ce que j'ai fait pour écrire un livre J'ai pas euh, sauvé la planète. J'ai pas. Et donc, euh, vous avez sauvé vous-même déjà. Déjà, ce qui est déjà bien. Et c'est un peu après ce qui m'a poussé à le faire, puisque J'ai euh, commencé les réseaux sociaux quand je suis arrivé aux États-Unis, et via les réseaux sociaux, après avoir vu ce documentaire, euh, bah, j'ai eu plein de retours. Plein de messages de, de profils différents, des mamans qui me disaient qu'elles avaient vu le reportage et que leur fils euh, voulait euh, suivre euh, cette voie-là sportive, euh, que j'ai eu des, euh, des frères et des sœurs euh, qui me disaient que leur petit frère euh, avait été euh, bah, bouche bée devant le reportage et que ça les avait motivés. Et c'est en voyant justement ces centaines de messages que je me suis dit, bah, pourquoi pas euh, l'écrire finalement ce livre, parce que ce sera peut-être une réponse à tous ces gens à qui j'ai pas pu répondre euh, via exactement. les réseaux sociaux. Je crois que vous avez plus de 80 000 followers sur Instagram. Ouais, ce, 100 000 ce, quasiment maintenant. Oui, ouais. j'imagine, ouais. depuis ouais. le Covid, vous avez, vous avez euh, été très très actif pendant le Covid. Ouais. Et après, enfin, ça commençait déjà avant, mais ça n'a ouais. fait qu'augmenter. Que, qu augmenter, ouais. Voilà, donc pour, pourquoi ben, En fait, voilà c'est parce que vous vous dites, cette histoire, elle peut, elle peut servir. Ouais, moi, je trouve exactement. que ça donne une, un espoir fou. Et euh, et puis vous donner des clés bien concrètes. Ouais. Parce que ce n'est pas tout de rêver, de machin. Enfin, comme vous dites, il faut tout donner déjà. Ouais. Donc et tout et donner, ce n'est pas toujours comment, facile. Comment tout donner Alors Parce que tout donner euh, comme ça, à tout va, euh, ça ne sera peut-être pas effectif sur la fin. Mais euh, ouais, le livre, en fait, la manière dont je l'ai construit, comme vous le disiez au début, c'était vraiment euh, essayer de faire comprendre qu'on euh, n'y arrive pas tout seul déjà. Mm -hmm. le, 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 le truc de je me suis fait tout seul. Euh, j'y crois, crois pas, pas trop, mm -hmm. euh, et montrer justement euh, que les gens que j'ai pu rencontrer ne sont pas forcément des gens euh, que j'aurais rencontrés que je, si j'étais si resté euh, au quartier. En ben fait. Voilà. Voilà. Donc, euh, Donc ça base... pousse aussi euh, à bouger, sortir de son quartier et, euh, et ouvrir les yeux parce qu'on bah, qu passe à côté de beaucoup de choses en, en restant dans cette bulle. Après vous dites il faut écouter sa voix intérieure. Bon, ouais. C'est pas toujours évident non plus savoir l'écouter sans être pollué par les, les avis des gens. Vous dites n'écoutez pas les n'écoutez pas les gens, ouais. écoutez-vous vous, vous vous. Parce que Mais... vous êtes la première et la enfin, la première personne et la seule personne concrètement à savoir ce que vous voulez et vous êtes la seule aussi à, à pouvoir euh, jauger l'envie que vous avez et ça euh, et ça euh, des fois les personnes autour elles elles parasitent cette envie. En fait en, en, en envoyant des, des conseils ou des, 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 des du négatif, ça vous, bah, ça vous touche vous mmh, euh, mmh. au plus profond et euh, ça fait diminuer cette envie et euh, au bout d'un moment, on peut même éteindre cette flamme et, euh, et au final vous restez là où on vous dit de rester quoi. Voilà, vous oubliez vous ouais. oubliez votre, votre essence même et, et vous écoutez des voix qui ne sont pas, qui sont pas les bonnes. qui sont et pas les coup, bonnes et qui en sont général, pas les ça marche pas. Ouais. voilà. OK. Et euh, vous dites aussi faut pas se poser en victime, c'est pas parce qu'on habite une cité dans un quartier défavorisé on est une victime. Il si ne faut pas dire on ne me donne rien. Il faut non, aller chercher les choses. Parce que ouais, ça, c'est un peu aussi la facilité. Mmh. Quand euh, rien ne se passe pour vous, de dire qu'on ne me donne à rien et parce que je suis ici, euh, on ne me regarde pas ou on ne me. Ok, d'accord. Ça, c'est un fait. Maintenant, ça, tu le sais, tu le prends et tu fais avec. Parce ouais. que si on reste sur ces bases-là, bah, encore il une fois, il se passera rien. Ouais. Voilà. Alors, vous, vous êtes resté proche de vos, de vos copains d'enfance. De, de, vous vous, ouais. vous êtes suivi, Il y en a qui ont, qui ont des belles vies d'autres moins mm -hmm. et, et les jeunes actuels de, de la cité euh, Saint-Cyr la, la cité marron nom joli nom, ouais, cette, vous êtes allés les voir bah, j'y suis toujours j'y hein, ouais. Oh, ouais, passe toujours dès que je reviens je suis je dans le coin et on vos parents euh, sont Ils toujours là-bas là ouais, ouais. maman Bernadette qui bah, dit fièrement il s'est fait tout seul ouais ouais elle est fière de vous ouais, ouais, parce qu'elle l'a vu elle l'a vu mais enfin elle a vu la manière dont je suis monté mais elle Votre avait pas forcément vu euh, tout, toutes les rencontres et tout. Euh... Oui, mais comme elle dit, elle a fait, on fait confiance quand on est pas, euh, quand on ne sait pas, on fait confiance. Ou ouais, mais ça, ça c'est euh, un peu aussi le, le, ouais, le, le, le problème. Moi, mes parents, ils n'ont pas fait spécialement d'études, bah, donc, euh, donc devant eux, le les profs, prof prof, bah, exactement. Devant les profs, c'est bah, le prof qui gagne. Bah, voilà, mais il euh, hein. y a un moment où, euh, et ça, ça a été un, un gros plus pour moi, où, euh, où elle m'a fait confiance à moi quand je lui ai dit voilà ce que je veux faire. Et, euh, et elle m'a laissé, laissé évoluer sans, sans me retenir. Quoi. Et mm -hmm. ça, ça a été un. Elle a un cru grand en vous, plus, quoi. Ouais. en fait, c'est ça. Et, et tout au long de votre parcours, vous rencontrez des gens qui croient en vous. Oui, exactement. C'est qui, qui... pour ça que je voulais les mettre en lumière. Voilà, Georges, euh, je me souviens plus du nom. Adonaï, qui était voilà. un de mes animateurs et avec qui j'ai travaillé par la suite. Qui vous a fait confiance. Mais qui, euh, quoi et qui, lui, euh, a vu en moi aussi des, des choses que les profs ne voyaient pas spécialement. Et, Et que vous, vous n'osiez peut-être pas non plus euh, croire. Ouais, enfin, enfin, moi je ne sais même pas que j'y croyais, non. je ne savais même pas que ça existait ah en ben fait. Voilà, ouais. C'est qu'on ne me laissait même pas entrevoir ces possibilités. Et lui, en me, en me tendant ce livre euh, euh, qui était en fait un, un livre à, euh, qui, euh, qui, 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 qui préparait à la, à la, au concours de brevet, du brevet d'État d'éducateur mmh, sportif, mmh. en me tendant ce livre-là, en fait, il, il, il me disait voilà. Dans le sport, on regarde un peu, lis, tu vas voir, il y a des trucs qui te ressemblent et qui vont, qui vont sûrement te plaire. Et pourquoi pas bah, évoluer par la suite euh, dans ce milieu-là Et mm -hmm. c'est en lisant ce livre-là que, après, bah, de fil en aiguille, j'en suis arrivé ouais. à. Et là, Parce vous donne, vous faire. donnez les clés. Après, ça vaut pas, ça vaut pour tout, Ce hein. C'est pas que pour quelqu'un qui veut réussir dans le sport. Ah non, bah, non, non, non. Ouais. Pour trouver sa voie et, et s'épanouir, c'est ah en non, général non, okay, comme ça qu'on qu réussit. Alors, vous, euh, vous avez une méthode particulière de coaching. Alors, où est-ce que je l'ai écrit bon, vous allez peut-être me, me la décrire ouais, votre méthode. En fait, une méthode particulière, c'est c'est juste que moi, au lieu de mettre la séance au cœur de mon travail, le sport au cœur de mon travail, je mets l'humain, je mets la personne. C'est-à-dire que euh, plutôt que venir et d'imposer mes séances à, à une personne quelle qu'elle soit, mm -hmm. j'essaye de connaître la personne, de rentrer un peu euh, là-dedans. Comment vous faites Eh ben par des questions, par une séance bilan. Euh, vous et, avez un questionnaire et, mm, Je jauge grâce à, à la PNL, en fait. C'est ce qu'on appelle la programmation neurolinguistique. Euh, C'est euh, un outil que, que j'applique à mes séances et qui me permet très rapidement de jauger psychologiquement la personne que j'ai en face de moi. Et par rapport à ce profil, en fait j'adapte ma séance. Et quels sont les profils, par exemple ben on va là, enfin Il va y avoir les personnes qui vont être plus tactiles, les personnes qui vont être réceptives aux explications, les personnes qui sont là juste pour se donner à fond. Et euh, si je fais une séance euh, tactile où je replace beaucoup à une personne qui aime, aime pas, pas qu'on rentre dans son espace, et bien là, euh, j'ai loupé. Ouais, si je, je donne des grandes explications à quelqu'un qui veut juste venir se donner et brûler ses calories, je vais pas être dans le, dans, dans, dans le bon. Et, et forcément, je n'aurai peut-être pas le bon retour aussi. Et euh, on va peut-être pas créer la bonne re relation. Qui me permettra par la suite de, bah, de lui faire atteindre ses objectifs. Optimiser et, la, euh, la séance. Et euh, pour moi, ouais. euh, bah, pour moi ça, sera, ça sera un échec. Donc, euh, vraiment, cette première séance bilan, au cours de laquelle je mets en place ce profil, euh, m'aide beaucoup après à, à créer ce déclic psychologique et euh, le, le, la partie physique euh, arrive ensuite beaucoup plus facilement et beaucoup plus simplement. D'accord. OK. Et vous continuez à coacher des anonymes oui, Bien sûr, oui, oui, mais à Los Angeles, à Los Angeles, et là je suis là, là je suis à Paris trois mois pour la Star Academy, et donc j'ai repris quelques personnes. Il vous personnes reste des que... places, ouais, c'est elles, hein <laughs> elles, sont... elles sont chères. Non, c'est plus par rapport au temps que j'ai, <laughs> mais je sais, j'essaye de... 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 de faire au mieux, mais euh... mais je revois quelques personnes ah, anonymes et je continue, Del... c'est la base de mon travail. Hein. Ouais, ouais, ouais. Vous avez euh, comment dire euh, des... des projets pour. Euh... Pour après ou bah là, euh, je vais prendre justement le livre comme support pour aller, euh, pour aller euh, échanger, pour aller partager au niveau des, euh, des écoles de, de, de la pendant que vous êtes en, en France. Pendant que je suis là, là, ouais, ouais. génial. Vous allez et, aller voir des rencontrer et des élèves déjà, ouais, ouais. des centres sociaux, des MJC, euh, des lycées, des collèges euh, pour, pour parler et leur montrer un peu moi mon parcours et leur mmh, dire mmh. Bah, voilà, si vous à un moment donné plus... là dans votre cursus vous avez des galères et vous êtes un peu dans, dans le down. Bah, sachez que moi aussi, à un moment, je l'ai été, mais voilà ce que j'ai fait et voilà comment ça s'est passé pour moi et voilà où ça. je suis aujourd'hui. Et vous me disiez qu'il euh, allait être offert à des lycéens Ouais, là, il y a une école, un centre de formation qui s'appelle ouais. Orlhomme sur Paris 11 mm -hmm. qui en a pris 2500. Et donc, euh, tous les élèves de, de ce centre de formation ont eu le livre à la rentrée et je dois y intervenir dans leurs trois campus là sur, euh, sur ma période il faut en France. Ils l'auront lu. Ouais, ouais, ouais. Bon, mais bah, écoutez, coach Joe. Joël Bouraïma, un grand merci. Merci d'être venu parce que votre temps est précieux et que vous retournez à la starak là très vite cet après-midi même. Et merci pour cette belle histoire qui donne vraiment de l'espoir et ceux qui ne l'auront pas eu au lycée, il faut l'offrir à tous les jeunes qu'on a autour de nous parce que ça ne peut que aider. Voilà. Merci bien. Merci, c'était extra. À bientôt j'espère. On ne sait jamais, vous allez monter une école, un truc. On va voir, on va voir par la suite. ouais. Pourquoi pas former des coachs et essayer de faire en sorte qu'ils soient dans... La même dynamique que moi. En France. En France, ouais. Si je le fais, ça sera en France. Bon, bon on se reverra alors. On se reverra. On se reverra. Merci, Joël. Merci à vous. À très bientôt. Merci de, de nous journée. avoir suivis. À très vite. Hein.